Né à Montpellier, formé dans l'atelier de son oncle Alexandre Cabanel, Pierre Cabanel présente Philoctète abandonné sur l'île de Lemnos au salon de 1867. L'œuvre est accompagnée d'une citation empruntée à la pièce du poète tragique grec Sophocle. Perçant les colombes dans leur vol, il me fallait chercher ma nourriture en traînant péniblement mon pied blessé. Entre les espaces immenses du ciel et de la mer, sur des rochers dénudés et frappés par les flots, Philoctète étire son corps en direction d'une colombe qu'il a percée d'une flèche. Pas de halle chez ce héros exposé à la dureté des éléments. Au contraire, sous la pâleur de la peau, chaque muscle est tendu par la souffrance qui le torture. Un bandage sanguinolent entoure son pied droit. En route vers Troie, Philoctète s'est blessé par accident avec la pointe de l'une des flèches empoisonnées que lui avait offerte son ami Héraclès avant de mourir. C'est de son pied droit qu'il avait désigné au prince grec l'emplacement des cendres de son ami, malgré sa promesse de ne pas le révéler. L'odeur pestilentielle qui se dégage de la plaie pousse ses compagnons à l'abandonner sur l'île désolée de Lemnos. Pierre Cabanel donne à cette figure de l'amitié trahie une forme d'expression douloureuse, significative de la tradition classique à laquelle il a été formé dans l'atelier de son oncle. Thank you.